On lui a donné un autre bébé, Julie Bonne a fait une révélation choquante sur sa famille. Discrète sur sa vie familiale, Julie de Bonne se laisse rarement aller à des confidences privées. Mais en 2018, à l'occasion d'un entretien accordé à TF1, l'actrice, maman d'un petit garçon né cette même année, avait fait une révélation surprenante sur le début de sa vie. En effet, alors qu'elle venait tout juste de naître, la comédienne a été échangée avec un autre bébé de la maternité. Un scénario incroyable, digne d'un film, qui arrive cependant bien plus souvent qu'on ne le croit. À ma naissance, on lui a donné un autre bébé, à sa mère, note de la rédaction, dévoilait-elle alors avant d'expliquer comment l'erreur a été rapidement réparée. Julie de Bonne ne doit son salut qu'à sa maman, qui a immédiatement compris que quelque chose clochait avec cet autre bébé. Le drame a été évité car ma mère s'en est rendue compte tout de suite puisque j'avais conservé mon bracelet, a enchaîné l'actrice qui s'est illustrée dans le bazar de la charité, soulagée d'avoir rattrapé le coup in extremis. La famille est vite passée à autre chose. Cependant, le papa de la comédienne a eu quant à lui beaucoup de mal à digérer cette erreur inexcusable. Erreur dont il conserve encore aujourd'hui un bien mauvais souvenir selon la jolie brune. Mon père a d'ailleurs fait un esclandre dans l'hôpital, il en parle encore, a-t-elle conclu en rigolant. Cette même année 2018, alors qu'elle racontait pour la première fois cette anecdote, Julie de Bonne faisait également la promotion d'un téléfilm évoquant ce lourd sujet. Elle y campait le rôle principal de Sophie Serrano, une jeune maman ayant élevé une petite fille qui n'était en réalité pas la sienne. Point. Tiré d'une histoire vraie, le téléfilm avait eu beaucoup de succès et avait permis à l'actrice de sensibiliser sur ce sujet trop peu souvent abordé à la télévision et au cinéma. Il doit y avoir beaucoup d'enfants échangés sans qu'on le sache, avait-elle alors déploré avec tristesse face à nos confrères de TF1. Pour l'actrice, heureusement, l'histoire s'est bien terminée.